Ouais, c'est le grand moment, à quelques heures du coup d'envoi. C'est la pression. Salut à tous, tous. Et Footelon Family, c'est ma petite vidéo d'avant-match, histoire de faire justement monter la pression de cette finale de dingue entre le Sénégal et l'Algérie. Donc, restez attentifs, à la fin de la vidéo, il y aura les compositions d'équipe probables, cette petite anecdote sympathique entre les deux coachs, évidemment, l'histoire d'arbitrage, là, où ça a été changé dans des moments, c'est un petit peu bizarre, évidemment. Et les suspendus et blessés, mais ça, on savait déjà. Et merci, encore une fois, un grand merci à vous pour cette canne de fou, ce mois de compétition incroyable, des heures et des heures et des heures de live, des milliers de viewers à chaque fois assidus. Merci pour votre passion transmise à chaque fois lors des directs. J'ai loupé aucun match, j'ai fait toute cette canne avec les vidéos de présentation juste avant. Donc, 2 mois en gros de compétition à vos côtés, c'était juste dingue. Merci, je vous attends nombreux ce soir pour fêter cette fin de canne en apothéose, amis. Allez, c'est parti! Et justement, en parlant d'apothéose, il y aura en tout cas un stade plein. Le stade international du Caire sera plein. En tout cas, il y aura énormément d'Égyptiens. Ça, c'est clair, parce qu'ils avaient déjà pris leur billet, croyant que les pharaons allaient aller loin. Ils ont été arrêtés par Lorch, Bafana Bafana, en 8e. Quand même, sacrée surprise. Eh, si, c'est sacrée surprise. Donc, évidemment, les amis, il y aura 8000 Algériens. Il y aura énormément aussi de Sénégalais. À voir, en tout cas, pour l'ambiance, mais je pense que ce sera juste énorme. Les deux coachs, Cissé et Bemadi, se connaissent depuis mais 1000 ans, hein. Ils étaient ensemble au Bois Labbé, Champigny-sur-Marne, déclare Dayo Cissé. Nous sommes des enfants du 9-4, Jamel et moi, on se connaît depuis très longtemps, depuis nos années de formation. Lui au PSG et moi à Lille. Et en plus, ils ont un jour d'écart. Ils ont des destins liés, hein. 24 mars 1976 contre 25 mars 1976. Donc destin lié, confrontation amicale, mais il y a quand même diversité entre les deux. Mais c'est juste beau de voir ça et c'est assez rare pour le souligner, les amis. Des absents, bah, Bamlak, carton jaune, Koulibaly. Fédération sénégalaise a poussé de ouf, mais en vain. Donc ce ne sera pas Koulibaly, ce sera Salif Sané, qui lui revenait de blessure. Donc, à voir. Lui, Youssef Attal, on sait très bien qu'il n'était pas là. Il s'est pété la clavicule avec un choc avec canon contre la Côte d'Ivoire. C'est Mehdi Zéphane. Donc les deux absents mine de rien en défense qui font un petit peu mal, mais c'est comme ça, on le savait déjà. Victor Gomez, le Sud-Africain, dit l'incorruptible, le pote de Sean Connery, le pote de Kevin Costner, parce qu'il avait dénoncé à l'époque un pot de vin qu'on lui avait proposé, 30 000 $ dans une tentative de corruption, un match de barrage, aller la Coupe de Confédération africaine entre le Patton United et l'Union Sportive de la Médina d'Alger. Il avait dit ça et qui était au grand jour, du coup, bah, il était vu comme un grand bonhomme quand même. Et bah, il frappe à la finale. Non, il était désigné pour la finale depuis 1000 ans, mais non, il frappe la finale, ce sera Alioune Alioum. Bon arbitre aussi, arbitre camerounais. Mais on se pose des questions quand même, pourquoi changer d'arbitre le dernier jour? Dans les commentaires, dis-moi ce que vous en pensez les amis, c'est quand même bizarre. Les statistiques intéressantes aussi, avec Sénégal, meilleure défense de la CAN. Un seul but encaissé, contre qui les amis? Contre l'Algérie, Belaïli, en phase de poule, 1-0. Et l'Algérie, meilleure attaque, 12 buts. Donc c'est la meilleure défense contre la meilleure attaque. Donc c'est clair que Netflix ou tactique, à vous de choisir les amis, mais ça va être un match quand même, pour les coachs, tendu. Et on parle justement des compositions d'équipe, avec la composition d'équipe du Sénégal les amis, c'est parti. Gomis dans les buts, ça change pas, un 4-3-3 évidemment, point de basse. Sabali, Sané qui remplace, donc au pied levé, Kalidou Koulibaly, lui qui était blessé, remplacé par Kouyaté, enfin ça y est, ils arrivent à faire leur défense. Donc Cherou Kouyaté, le capitaine des Lions de la Teranga, Gassama sur le côté droit, milieu à 3, donc point de basse, Gaï, Henri Sévé et Ndiaye. Sévé peut évidemment jouer en rôle numéro 10 dans un milieu à 3 évolutif pour alimenter les 3 de devant qui seront Ismail Assar préféré à Baldé, Mbagnan toujours préféré à Mbagnan, mais il y aura un changement je pense vers la 70e minute de jeu, et Sadio Mané la star qui est à 3 buts. Donc voilà pour ce 4-3-3 les amis sénégalais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Composition d'équipe algérienne, ça change pas, 4-1-4-1, 4-3-3, enfin évolutif en tout cas avec Raïs Mboli, Ben Sebani, Belhamri, Mandi, donc Zéphane qui remplace Youssef Attal, qui remplace plutôt bien, Guédouira, hein, qui est énorme en rôle de sentinelle, Belaïli, Benasser, Feghouli, Riyad Mahrez, le capitaine, donc quand même une milieu de terrain ou ligne d'attaque aussi assez monstrueuse, et Bagdad Bounedja devant. Donc deux équipes quand même franchement énormes, à voir du côté tactique encore une fois. Les petits amis, dites-moi dans les commentaires justement ce que vous en pensez. Allez, c'est parti les amis, j'attends évidemment vos pronos en masse dans les commentaires. Allez-y, hein.
s'il y a 0-0, 4-4, 1000 à 1000, 2000 à 2000, n'hésitez pas les amis, franchement c'est intéressant. Et le lien du match de ce soir, coup d'envoi à 20h, est dans la description, donc allez déjà sur le lien juste là, ça parle déjà, carrément. Allez jouer les amis, je vous dis à ce soir, salut, 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 et salut. Ça va être chaud, ça va être, mais ultra chaud.